Coucou everyone, hello sunshine, hello everybody, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Aïda Sawadogo, c'est la première fois que tu me découvres. Je suis entrepreneur e-commerce basé en Chine à l'industrie mondiale par excellence. Je suis également une middle lady ou facilitatrice d'achat de marchandises en Chine. Bon, aujourd'hui, je voulais dans le marché des accessoires de téléphone. Parce que j'avais déjà fait une vidéo montrant le marché des accessoires de téléphone ici à Gwangju. Mais ce marché-là, souvenez-vous, j'avais dit que c'était pas le marché de Gwangju. Donc maintenant, je suis venue, en fait, j'ai eu une commande. J'en ai profité pour vous montrer également le marché de gros des accessoires. C'est-à-dire que c'est ici que les gens, ce marché où j'avais fait auparavant, c'est ici qu'ils prennent pour aller revendre. C'est aussi ici que le monde, c'est-à-dire que les gens qui sont en Europe, en Afrique, partout, quand vous achetez à Gwangju, c'est ici que vous achetez au prix de gros pour pouvoir vous en sortir, d'accord? Et maintenant, je vais essayer de retourner la caméra. Mais avant toute chose, pour tous ceux qui veulent travailler avec moi, j'ai mon numéro uniquement dans le descriptif, s'il vous plaît. Et allez dans le descriptif, il y a également des liens qui vous conduiront dans nos catalogues sur Telegram où nous proposons des marchandises. Okay. Bon. Et ce qui me fait même faire cette vidéo aujourd'hui, là, c'est par rapport à certaines demandes. Parce que vous avez l'habitude de voir les trucs sur Alibaba, vous avez souvent l'habitude de voir les vidéos online. Et je ne sais pas, donc, certaines personnes, quand on vous donne les prix, c'est comme si vous voyez un peu. Bon, aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir les prix des articles, des accessoires de téléphone, les chargeurs et tout. Et puis, il y a même les nouveautés. Je vois ça là, qui est un nouveau produit. Je vais me renseigner, ok, pour savoir combien ça coûte. Voilà. C'est un nouveau truc avec c'est avec support. Voilà, vous voyez un peu. Ce marché là est très très grand. Ce sont des supports. Je vais essayer de voir. Voilà d'autres ici. Et le conseil que je vous donne, si vous voulez peut-être vendre les accessoires de téléphone comme ça, là, prenez des accessoires qui sont rares. Ne prenez pas des accessoires que l'on trouve partout, quoi. Ok? Pour pouvoir vraiment faire de bonnes ventes avec ça, prenez ce qui est rare. Ok? Voilà, vous voyez que ceux-là, ils sont venus aussi acheter ici, là, pour aller revendre. Là. Je vais mettre mon sac dehors. C'est le iPhone 12 Pro. Regarde ça. Ça c'est 10 RMB. On est déjà dans les 10 RMB. C'est elle qui dit on est déjà dans les 1,5 à 1,6 dollars la pièce. Et il y a des quantités à respecter pour ça là. Ok. Donc voilà. Il y en a d'autres. Voilà. Il faut que je prenne mon sac. Mon sac dehors. Voilà. Que je prenne mon sac. Hey, my dear, how many pieces to order? If you want to order, how many pieces? One model, 200. Vous avez entendu? 200 pieces. Pour un seul modèle, il faut 200 pièces minimum. Ok? Voilà. C'est le marché de gros, il ne détaille pas. On va continuer ensemble. Hein? Là. Je vais devoir aussi. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que je vous présente. Voilà. Ça, ce sont les. Il y a plein de choses que moi je ne connais pas. Peut-être vous connaissez. Je ne sais pas. Il y a plein de choses. Ça, c'est pour attraper le téléphone, je crois. Tout ça là, c'est le truc de téléphone. Voilà. Tout ça. Là. Ça, c'est le truc de téléphone. Si vous venez en Chine, le conseil que je vous donne, c'est quand vous êtes dans une boutique, n'achetez jamais directement. Ok? Faites au moins 3 à 5 boutiques, demandez les prix et
juger les prix et puis aussi surtout la qualité, c'est très important en Chine, ok? C'est très important en Chine parce que le moins cher est très cher en Chine, très très cher. Voilà, s'il n'y a personne, c'est que je puisse demander les prix. Voilà les charges. Voilà, je vais demander les prix ici. Il n'y a personne pour que je puisse demander les prix de ceci là. My dear, are you the one selling there? Boss inside. Ok. Boss là. Je vais demander avec vous hein, combien ça par exemple, les écouteurs là, ça coûte. On va demander à ça. Check out ça. Cheap one, how much là? Cheap one, which one? Vous avez vu 75 yuan de ça là? 75 yuan déjà dans les 8000 francs CFA. Voilà. Je vais demander aussi. This AirPod, this one, how much? Parce que tout ça dépend aussi des marques. Hein? Ça dépend aussi des marques. Voilà. Parce que j'ai l'impression que ça coûte cher. This AirPod, this one, cheap one, how much? This one. 50, c'est déjà dans les 5500 francs CFA. Voilà la calculatrice, hein, elle a 1000. Voilà, peut-être croire que vous-même, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est le prix du AirPod. Parce que je suis scandalisée quand on me dit qu'il y a les AirPods à 1,92$. Ça n'existe nulle part ici en Chine, s'il vous plaît. il y a aussi les câbles, non? Les gens aussi m'ont demandé les câbles. Il y a les câbles là. Triple câble. Voilà. En fait, je vous montre des choses de qualité. Je vous montre des choses que si vous vendez, vous pouvez vous en sortir. C'est-à-dire que le client reviendra. Parce que j'ai souvent des clients qui disent que nous ne donnons pas les câbles que le client achète. Il va utiliser 2 jours. Il rapporte que non, ça n'a pas marché. Ça ne fonctionne plus là. Je vous montre des choses qui mettront long. Sister, what about this cable? This cable? Yeah. This one should be in one. Yeah, three. Oui, 3 ans, non? Vous voyez? Là, le prix. 30 yuan. 3500. Voilà. Je vous dis qu'on est dans le marché. This one is a brand, so not cheaper. You know? The quality is the high. Voilà. Elle dit que ça, là, c'est une marque dont la qualité est high. C'est-à-dire comment? En Chine, je vous ai toujours dit que le nom, ça compte beaucoup. C'est-à-dire que le Chinois ne met pas son logo n'importe comment. Pourquoi? Parce que c'est avec le logo qu'on vend. Si déjà quelqu'un, vous créez votre marque et que les gens... Si quelqu'un déjà commande, achète déjà votre marque, maybe quelqu'un remarque déjà que non, la marque là, ça dit que ces choses ne sont pas bonnes. Personne plus, ça va faire de la mauvaise publicité, les gens n'achèteront plus. Vous allez remarquer que les choses de mauvaise qualité en Chine n'ont pas de logo. Ça n'a jamais de logo parce qu'il n'y a personne qui est prêt à assumer ça, quoi. C'est ça qu'elle me dit que non, tout ce qui est ici là, c'est... Et ça veut dire que, quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est une compagnie. Ça veut dire que, regardez, vous allez voir que c'est les mêmes trucs partout. Ça veut dire que c'est une boutique de représentation d'une usine. D'accord? Ok. On va continuer. Ici, là, ce sont les covas. Les tablettes des enfants. Voilà. Ça voilà les couverts de AirPods. Voilà. Ça, c'est même pas de... Donc, je ne vais pas trop parler, vous allez comprendre. Ce que vous voyez dans les sachets comme ça, là, c'est de bonne qualité. Voilà. Comment on appelle le cover en français? Ce que vous couvrez, on couvre le téléphone avec là. Comment on appelle ça? J'ai oublié, je vais chercher le nom, s'il vous plaît. Après, je vais écrire. Voilà, comme les choses. Vous voyez ça là, il y a une grande différence. Regardez, vous voyez, ça, c'est de bonne qualité. Voilà, ça c'est une bonne qualité. En revanche, regardez ceci là. Regardez. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez. Check out de ça. Maman, check out de ça. How many pieces?
Maybe 100 pieces. 100? Yeah. Oh. 1.5. Donc, elle dit que je lui ai demandé ça là. Elle me demande pour combien de pièces. J'ai dit 100 pièces. Elle me dit 1.5. 1.5 là, c'est déjà dans les. On m'a dit comment? 250. Ah, je vais calculer en CFA après, s'il vous plaît. Ce n'est jamais exact, je vous en prie. Ne vous. Ce n'est jamais exact, ok? Voilà. Le taux n'est pas exact, je vous en prie, ne vous méprenez pas. Voilà, voilà aussi. Ça aussi, c'est de bonne qualité. Vous voyez? Voilà. J'essaie de faire ce que je. De mon mieux. Voilà. On va progresser. On va aller ensemble. On va regarder les power bank ensemble. Hein? Voilà. Voilà le power bank ici là. Et tout ça, et bien les power bank, tout ça est rangé là, c'est les power bank en tout cas. Je crois. On va regarder ensemble tout ça. Check, je vais lui demander, hein, prof. Check off many, many dosa. Many, many. Yeah. Mais. Elle a seulement retiré 2 yens. Donc, 4, de 85. Donc, 85 yens. On a déjà 9000 alors. Cheap one, which one? Cheap one, cheap power bank. Cheaper? Yeah. Il y a qu'elle choisit elle-même. Cheap, which one? Cheap, this one. This one, how much? This one. 35 yens. Vous regardez le prix vous-même. 35 yens, je ne sais pas si ça se voit. Voilà, donc, ça, for many, many. And what about these clippers? Comme ça, on va aussi demander ensemble les prix des trucs. Si. This one. This one? Mm. 5 yuans. Ou quoi, là? Mm. Yeah. Il faut prendre beaucoup. Hein. Il faut prendre beaucoup. Yanda. 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 Elle dit que c'est le même prix. Et il faut prendre à partir de 100. C'est à partir de 100, 200 pièces ici. Parce que sur le marché de gros, je vous ai dit que où j'ai fait auparavant, là-bas, on fait en détail. Ceux-là prennent là-bas pour venir. Ceux-là, je viens d'acheter, c'est pour aller vendre là-bas. Check out ça. Check out quoi là? 11 yens. Voilà. Moi, je préfère plus de mettre les prix en CFA, pardon, parce que il y a souvent des personnes après qui disent que tu avais dit ceci. Et puis, vous voyez, je ne peux pas trop. Je ne maîtrise pas. Vous voyez? Parce que j'ai normalement quelqu'un qui m'aide avec ça. Voilà notre clip aussi. Vous voyez? Comme ça là. Check out. Ça que vous croyez là. 5 yens. Voilà. Ça, c'est Nia. On va continuer. Il y a des choses que je cherche là pour vous montrer. Hein. On va chercher. On va un peu entrer ici. Je crois qu'ici là, les écouteurs ici là, c'est un peu moins hein, cher par rapport à d'autres. On va regarder ensemble. Check out ça. 106, c'est 38. Ça là que vous voyez. Mais je suis surpris. On me donne les 1 point. J'ai God. On va regarder ensemble. Voilà. C'est leur brand. Parce que ici, là, c'est une usine. C'est une marque. Quand vous voyez comme ça, ça veut dire que c'est une usine. C'est-à-dire que quand vous entrez dans une boutique, vous remarquez qu'ils ne vendent qu'une seule marque. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est une usine. Voilà, c'est une boutique de représentation d'une usine. Donc, c'est ça. Plein de choses. Je veux demander aussi les prix des trucs comme ça pour demander. Hein. Check out. $100 ou 35 yuan. Voilà. Je vous répète encore nos marchés de gros, mes chéris. Ok? C'est Seigneur. Check out. Après, c'est 11. Il y a 11 yuan, il y a 10 yuan. Voilà, c'est Seigneur. Donc, je vais continuer, chérie. Il faut que je sorte. On cherche encore autre chose. Non, il y a les câbles.
voilà, mais ce que vous aimez beaucoup en Afrique, les triples têtes. Ah, c'est ça, non? Tu regardes ça? Tu regardes ça? 100 pieces. Je vais demander 100 pièces, hein, parce que c'est toujours le minimum en tout cas. 6 yuan. Tout ça là. 6 yuan. On est déjà dans les 1 dollar. Hein. Il faut le savoir. Donc on ne peut pas ou même au zéro, machin vient. Check out, cheap, which one? Cheap, check out. 4.5, ça là, c'est ça le moins cher. Ça là. 4.5 yuan. Check out ça. 3.5, au fur et à mesure, 350. Ok? Voilà, voilà, 350. Voilà. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Ok, on va sortir. Hein? En fait, je cherche mon fils. Il ne peut pas se garer parce que presque tout le monde nous connaît dans ce marché. Donc, je vais le trouver quelque part. On va continuer.